Et Charlotte? T'es sérieux? C'est pas un peu un prénom de pute, Charlotte? Je sais pas, non, c'est bien. C'est très bien. Faut qu'on la fasse vacciner aussi, non? Bah ouais, j'imagine. On va l'emmener chez le vétérinaire. Elle a moins de mal à marcher déjà, non? Bah ouais, ça a l'air d'aller mieux, là. Hein? Ah bon, arrête, laisse-la tranquille. Faut qu'on lui trouve un mec aussi, avant qu'elle aille racoler dans le quartier. Bon, voyons. Elle est toute petite. Quoi, si c'était un humain, elle aurait quoi? 4-5 mois? Mais non, 4-5 ans. Tomber, mon vieux, on s'en fout. On s'en fout. Tu les as appelés pour les prévenir qu'on n'irait pas? Non, même pas. En même temps, sur téléphone, ça va être compliqué. Comment ça? Bah, ils nous ont coupé la ligne. Putain, j'y crois pas, les enfoirés. C'est normal, après, ça sera EDF. Bon ben, tu vas neuf, il reste que ça. On a encore le gaz? Ouais, je veux bien, pourquoi pas. On va pas laisser ça quand même. Merci. Putain, ça a même pas de goût. Bah, t'exagères quand même, les eaux plates, je vais les faire. Non, mais je sais, ce que je veux dire, c'est juste que j'ai l'impression de manger nos derniers centimes. Ça a ce goût-là, 60 cents. L'heure est aux retrouvailles. Vos peurs enfouies jaillissent. Et nos troubles reflètent vos états d'âme dans votre corps d'homme ou de femme. Les braises de Mars rendent incandescents vos sentiments. Mais attention. Des amours, des êtres proches vous entourent, vous n'êtes pas seul. Pensez à eux, profitez-en moins. Puis, ressourcez-vous, retrouvez l'harmonie des énergies.
bains de jouvence, balades le long de l'allée boisée vous feront le plus grand bien. Mais de l'économie toujours. Cigales dissimulées, le temps de l'oisiveté a bien expiré pour attraper le bonheur des astres bougés. Scorpion, ne vous cachez plus, le vent tourne. Je sais pas y a qui c'est, les petits cons qui écrivent ça, mais... T'as regardé la date? C'est de la semaine dernière. On y va, mon chéri.